Sean est un mouton qui vit à la ferme avec un chien et un fermier. Il dirige le troupeau parce qu'il est rusé et malin. Il a plein d'idées. Le fermier fait toujours la même chose. Chaque matin, le fermier se rase la barbe et se lave les dents. Puis il s'habille. Il ouvre sa porte et le chien se prend la porte dans la figure. Le fermier rase les moutons. Il a un planning chargé. Le troupeau en a plus qu'assez d'être rasé par le fermier. Les moutons veulent se débarrasser du fermier pour avoir des vacances. Pour boire des boissons devant la télé. Le plan de Sean est donc d'endormir le fermier pour l'enfermer dans une caravane. Pour l'endormir, les moutons sautent tous par-dessus la barrière. Le taureau fonce dedans et bam ! La caravane se met à rouler jusqu'à la ville. Le lendemain, Sean prend le bus et arrive en ville. Le troupeau doit rejoindre Sean. Les moutons ont peur de se faire attraper. Ils cherchent le fermier, mais celui-ci est à l'hôpital. À l'hôpital, le fermier a perdu la mémoire, car il s'est fait assommer. Le fermier sort de l'hôpital. Trappeur les attrape et le conduit à la forêt. Ils arrivent à se sauver. Le retour à la ferme. Les moutons et le fermier vont rentrer à la ferme. Les trappeurs les a suivis. Ils se cachent dans la cabane à outils. Trappeur monte alors sur le tracteur et essaye de pousser la cabane dans le ravin. Le taureau voit le caleçon rouge de Trumper et lui fonce dessus. Il retrouve ses moutons sains et saufs et retourne tous ensemble à la ferme.